Hey, j'espère que vous allez bien. Pour cette vidéo, j'ai complètement zappé de vous faire une intro. Alors, il s'agit d'un vlog. Je repars au Congo-Brazzaville 5 ans après. J'espère que cette vidéo va vous plaire. À très bientôt. Bye! Monsieur, bonsoir et bienvenue à bord d'Air France. Nous prions de ranger votre valise cabine uniquement dans les coffres. Tous vos accessoires, tous vos bagages de petit format, sac à dos, doivent être placés sous le siège devant vous. Si les coffres sont pleins pour déplacer votre valise cabine, celle-ci sera enregistrée en soute et délivrée à l'arrivée sur le tapis bagage. Les issues de secours doivent rester dégagées. Il est interdit de fumer. La cigarette électronique n'est pas autorisée. Elle doit être éteinte et conservée sur vous. Nous vous invitons à vous installer rapidement afin de partir dès que possible. Good afternoon, ladies and gentlemen. Je suis dans mon frigo, du coup là j'ai direction à l'hôtel Sheraton. En vrai j'ai attendu une heure quasiment pour rien parce que je fais une correspondance, en fait c'est eux qui s'occupent des bagages et moi j'étais là comme une conne en train d'attendre mes bagages. Je vais faire ma routine, je vais faire un room service. Du coup là je suis bien arrivée au Sheraton, je suis en train de prendre ma chambre et je sais pas ce que je vais faire, mais de toute façon je me repose, j'ai mal au dos et tout. Donc du coup je vais faire un room tour. Quand on arrive, on a la porte juste là. Là il y a la salle de bain, mais je vous la montrerai après. Trop belle. Alors voilà, du coup j'ai déposé mon bagage à main, mon masque que j'ai juste enlevé,
Du coup, j'ai un grand lit. Là, j'ai mon pull pour l'avion quand il fait froid. Du coup, mon sac à main. Là, c'était mon bagage à main. Je crois que j'ai mon sac à main. Là, il y a le mini-bar. Ensuite, bah, là, j'ai vu sur le terminal. Genre, trop bien. Genre, je vois les avions et tout. Et. Attendez. Je vais vous montrer la salle de bain. Elle est trop belle. Elle est trop belle. Donc là, il y a une douche. Les cabinets avec les petites serviettes blanches. La baignoire pour faire couler un bain. Un énorme miroir. Et là aussi pareil. Et voilà. Faut que je fasse vite. Faut que je fasse vite. Oh là, mon visage il brille. Oh, c'est horrible. Je crois que je vais aller manger au resto de l'hôtel. Faut que je fasse vite. J'ai mal au dos, putain. Heureusement, j'ai des Doliprane et tout que j'ai ramené. Moi, je descends, je vais manger au resto de l'hôtel. Je sais pas trop ce que je vais me prendre, mais voilà quoi. Je sais pas, on verra. Vous ne voyez même pas, genre, je suis obligée de me couvrir. Moi, je suis au resto. Enfin, moi, je suis au resto de l'hôtel, sur la table, toujours. J'attends mon plat. J'ai quand même du saumon avec du riz balsamique. J'ai une paire de gars. J'ai pas mangé à mon quartier, j'ai pas mangé à mon cuisine. En fait, la journée, j'ai pas mangé. Et j'ai pas envie de manger trop gras ce soir. Je veux quand même avoir un truc consistant, donc du coup c'est pour ça que j'ai pris du gras. Et à la fin un truc assez light, hein. C'est la balance des deux. Voilà, je me suis mis ça, c'est doux, comment ça se passe, il y a des péripéties en plus. Quand je serai remontée. Normalement, avant que vous voyez ça, et ben, j'ai fermé mon tour à l'hôtel. Et je vais. Je sais pas si je fais un highlight sur Insta ou pas. Je sais pas. Je suis en train d'hésiter. Genre, voyage qu'on a. Je sais pas trop comment je vais faire ça, mais je vais essayer de faire un truc assez light, quoi. Je vais rentrer, je vais me faire couler un bain, quelque chose comme ça, mais je vais l'étendre. Regardez comment c'est beau. Et c'est calme. Genre moi ma chambre est tout là-bas. Mais ça va, c'est tranquille. Il y a des big bouteilles de guerre là. J'aime trop le Shalimar. Champs-Élysées, je connais pas. Celui-là, je le connais pas. Yo, alors. Je suis de retour dans la chambre. Je vais vous faire une routine. Je vais faire une night routine et tout. En plus, genre, vu la chambre et tout, genre, grave beau quoi. Mais je ne savais pas que
prendre mes bagages en soute, parce que j'ai des bagages en soute. Partant en fait du coup directement, genre en mode ils les gardaient quelque part et c'est eux qui se chargeaient. Enfin, genre j'ai pas à trimballer les valises parce que du coup j'ai fait Lyon-Paris en avion et après je fais Paris-Brazza. Et du coup en fait genre j'ai tout ce qui est beauté etc. Du coup en soute quoi. Mais j'avais acheté un petit masque comme ça de chez Sephora, la pastèque au visage. On va quand même se le faire et se détendre. J'étais en train de me faire couler un bain. Il a l'air bien chaud. Je sais pas comment je vais faire. Enfin, ça saoule, ça tombe tout à l'eau. Je sais même pas ce que je vais faire en fait. Du coup, en fait, genre, je vais utiliser les petits trucs là qui m'aident pour. Qui m'aident, vous savez, genre les petits shampoings et tout. Du coup, un gel douche quoi. Je vais pas tout utiliser parce que sinon, demain matin, j'aurai plus de savon pour me laver. Là, du coup. C'est vraiment pour me détendre, mais à mort, j'ai mal au dos, je suis fatiguée, ça se voit peut-être pas, je sais pas, mais j'en peux plus de ce voyage, si ça se voit. En plus, genre la veille, je suis allée voir NASA, vous mettrez des extraits et tout ça, je suis allée voir NASA au Mont d'Or, il a joué la double dose, quoi, organisé par le Douala City Bar. Donc là en fait genre, j'ai vraiment juste envie de me détendre, de dormir tranquillement. J'ai demandé à ce qu'on me réveille à 8h. Parce que ah oui, je suis au Sheraton Hotel. Il me semble que c'est un 4 ou 5 étoiles, je sais plus. Je suis là juste pour une nuit, juste pour faire le transit. Voilà quoi. Alors, j'ai mis genre, je me suis mis en peignoir pour être un peu plus décontracté et tout et tout. Donc du coup, vu que j'ai que le masque comme soin ce soir, je vais me laver les mains, je vais au moins mouiller mon visage, le nettoyer. Parce qu'avec le masque, avec le masque, genre ma peau elle graisse hyper vite. Voilà, en fait, je vais vous filmer ça. Un petit truc tranquille, posé et tout et tout. J'ai pas trop l'habitude d'utiliser les masques Sephora. Je suis grave réticente. Je sais pas pourquoi. Là, je suis en train de galérer. Ah oh, putain, je vais couper, c'est bon. Mais il est grave imbibé. Hop. Oh putain, il y a grave de la matière. Comme ça. Ça va grave m'hydrater la peau. En plus, quand on est dans l'avion, on a grave la peau qui se déshydrate et tout et tout. Ça va grave faire du bien à ma peau. En plus, de toute façon, je l'avais acheté exprès pour le voyage, etc. Pour l'avion et tout et tout. Il y en a, ils font des masques dans l'avion. Dites-moi si vous faites ça, vous. Hop. Oh, je ressemble à rien. Je vais dégager les cheveux. Putain, j'aurais dû les attacher. Oh. D'ailleurs, ça va être ça ma miniature. MDR. Je vais faire peur aux gens. Ouais. Oh, j'ai oublié mon guacha. J'ai acheté un guacha à cause de Andy Ella. Oh putain, j'ai grave acheté des choses à cause d'elle. Attendez, je vais m'attacher les cheveux. Oh putain, je fais peur. On dirait le mec là, avec les poils et tout. Je mettrai la photo, je sais plus comment il s'appelle.
Ouf, ça va faire du bien. Du coup, je suis en train de... J'ai fait couler mon bain. Mais moi, je suis bizarre en fait. Oh, putain. Hop, je suis aussi là. Parce que pour moi, en fait, genre, je sais pas si c'est vous, si c'est votre cas. Moi, genre, le bain, tu te laves pas dans ton bain. Genre, c'est vraiment mode détente. Genre, si tu veux te laver, tu prends d'abord ta douche et après, tu fais ton bain. Et vu que là, du coup, l'eau, elle n'est pas vraiment remplie et tout et tout. Donc, du coup, après mon masque, je ressemble à rien. Du coup, après mon masque, je vais prendre ma douche et je vais prendre mon bain. Genre, pour moi, ça me paraît hyper méga normal. Mais je vois, il y a plein de gens qui font l'inverse et je trouve ça hyper sale parce que du coup, genre, tu baignes en gros dans ta crasse, quoi. Et du coup, t'es pas propre. Dites-moi, vous, si genre vous lavez dans votre bain, moi je trouve ça trop sale. Je vais quand même fermer les rideaux, même si je sais que genre personne viendra regarder, mais quand même. Même aussi genre pour demain quoi. Et en fait, vous inquiétez pas, on entend rien. Hein, si j'en pense que, enfin, si vous pensez que genre juste parce que je suis vraiment en face de l'aéroport, j'entends quoi que ce soit, j'entends absolument rien. Après, je suis resté genre, je crois, 5 minutes dans la chambre. Mais bon. Ouais, galère hein, quand même s'allumer. Et du coup, là, je vais m'allonger dans le grand lit. Oh! Mais je viens de capter un truc. Est-ce que, genre, je peux mettre mes lunettes par-dessus? Parce que, genre, en vrai, ça fait trop bizarre. Attendez. Attendez. Putain, ça fait trop bizarre. Je vais me regarder un petit truc, mais je sais pas quoi. Je m'ennuie un petit peu. Attends, je me suis fait mal. Je me suis fait mal, genre là. Genre, ça m'a lancé jusqu'à là, genre au crâne et tout. Ah, je sais pas ce que j'ai. Genre, d'un coup, quand j'ai voulu m'allonger, genre, c'est la. Je crois que c'est la deuxième fois que ça me fait ça. Faut que j'aille consulter. Parce que genre ça attaque mon cerveau là, j'ai trop peur. Imaginez genre j'ai une tumeur ou un truc dans le genre. Je touche du bois. Hein? Je touche du bois que ce soit pas ça, mais bon, quand même. Eh mais les gars, je viens de capter. On est dans un hôtel. Donc il y a forcément un spa. Mais bon, je pense pas qu'à 22h et quelques, je sais pas quelle heure il est, il sera ouvert. Parce que sinon, je vous cache pas, je me serais bien tapé un spa là. Et vu que demain je pars assez tôt. Putain, j'aurais même pas le temps de me faire un spa, je suis au bout. Je suis au bout. Voilà. Oh, j'ai éclaté. Putain, j'arrête pas de dire que je suis fatiguée, mais non, c'est réel. J'en peux plus. J'ai dents compotes. Genre, on dirait que j'ai 90 piges. Alors que même pas, je suis encore dans la vingtaine, les gars. Qu'est-ce que ça sera à 90 piges? Je suis à deux doigts de m'endormir avec le masque. Il faut pas que je le fasse, putain. Bon, ça serait pas plus mal, hein. Après, c'est juste un masque. C'est pas un truc nocif. D'ailleurs, c'est un masque hydratant et tout et tout. À la pastèque. Non, vas-y, je vais prendre mon bain, je vais me motiver, je vais se poser encore un petit instant, après je vais prendre mon bain. Enfin, je vais prendre ma douche d'abord, et après je vais prendre mon bain. Hello! Il est 8h du mat. Je suis éclatée. Ils m'ont appelé pour me réveiller. Du coup,
Je commence à me préparer. Genre j'avais enlevé des trucs de mon sac et tout, ce que je cherchais, ma batterie externe et tout, parce que je l'avais pas chargée, elle était déchargée, je sais pas si vous allez m'entendre, et on va hyper fatigué depuis hier. Je me suis endormie avec mon masque, genre j'ai pris ma douche avec, j'ai pris mon bain avec, et je me suis endormie avec. Dites-moi si c'est grave ou pas de dormir avec un masque Sephora. Oh putain, il est dur le réveil. Pareil en fait, je vais me préparer pour le départ. Je vais faire un room service pour le petit déj. J'ai la dalle. Ce matin j'ai la dalle, je sais pas pourquoi. Pourtant j'ai super bien mangé hier. En vrai hier ça m'a calé. Et là, je sais pas, j'ai la dalle. Heureusement qu'ils m'ont appelé, parce que franchement sinon j'allais dormir jusqu'à... Ah là là. Je me sens en plus un petit peu éparpillée dans la chambre. Un peu beaucoup. Enfin non, ça va. Ça va. Et du coup, voilà. Bon, pour ceux qui ne savent pas, les Sheraton, c'est juste au-dessus de l'aéroport. Du coup, je serai tranquille pour mon retour. Enfin, pour aller prendre l'avion, quoi. Du coup, Paris-Brasa.